Rien ne va plus entre le commissaire urbain de Sédhiou et des maires de la région. À l'origine de cette brouille, l'interpellation vendredi dernier de Saloum Cissé, maire de Bémé-Bidjini. Ce dernier, selon Famara Calbert Mané, maire de Simbani-Balante, est victime de coups de force. Notre collègue, le maire de Saloum Cissé de la commune de Bémé, a été victime d'une attaque policière parce que le commissaire central l'avait trouvé stationné aux abords du goudron entre la mosquée et la gendarmerie. Puis il l'interpella et demanda les pièces du véhicule au maire. Le maire lui remettait les pièces et finalement il se rend au commissariat. Le maire le suit là-bas. Quand arrivé en ces lieux, il lui demande ce qu'il a fait. Et le fait qu'il ait posé cette question, le commissaire n'était pas du tout content. Il s'agrippa sur le maire, enleva sa chaussure, retira son chapeau et essaie de le fouetter en le neutralisant. Il le maintient au niveau du violon de 14h à 20h. Et le maire avait même gêné. Il ne sait même pas pourquoi les gars veulent le retenir là-bas. Et ça, nous ne l'avons pas compris. Parlant au nom de l'association des maires de la région de Sédhiou, Calbert Mané interpelle le chef de l'État et dénonce l'humiliation dont leur collègue a été victime. Il faut que vraiment les gens donnent du respect aux autorités locales. Il faut que les hommes de tenue, en tout cas certains hommes de tenue, donnent du respect aux citoyens. Même pas parce qu'il est maire, mais parce qu'il est citoyen. Et au-delà, je pense que M. Saloum Cissé est aujourd'hui un fonctionnaire international. M. Saloum Cissé a servi la nation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il a été directeur de l'énergie. Je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas se répéter. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Et je sais pertinemment que vraiment le commissaire a très mal réagi. Et sur ce, nous, en tout cas les maires de la région, nous condamnons fermement cet acte en toute honte qui n'honore pas la nation sénégalaise. Pour laver cet affront, des maires de Sédhiou n'excluent pas de porter l'affaire devant la justice. Joint au téléphone, le mis en cause soutient ne pas être au courant de cette affaire qui défrait la chronique.